Eh bien, salut tout le monde, c'est GTA5 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 23 de Fallout 4. Et c'est parti. C'est parti pour 40 minutes de guerre, de baston. Et oui, on s'en est arrêté, on en est toujours sur la quête de Bobby. J'espère qu'on va terminer aujourd'hui cette quête. Parce que c'est pas que Bobby me saoule, mais c'est que je l'aime pas en fait. Non, sérieux, j'aime pas Bobby. Sa quête, bon, sur la fin elle commence à être un peu intéressante. Au début c'était très chiant. Là c'est un peu plus intéressant, mais bon, je préfère quand même la confrérie de l'acier largement. Mais bon, voilà quoi. Hein. Bon. Ouais, dès qu'on aura fini cette quête, et ben on fera vers le chemin de la liberté. Je crois que la quête elle s'appelle comme ça, on s'occupera de ça. Et ce sera très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? Je sais pas ça. Bon, c'est pas grave. Hancock? Quel rapport avec Hancock? Ouais, en fait, comme elle l'a deviné, on n'est pas dans la chambre forte de Diamond City. Je vois qu'elle a mis personne dans la confidence. Sympa, Bobby. Vous venez d'entrer par effraction dans la réserve de Hancock. Hancock, vous savez, le maire de Good Neighbor. Bon sang, Bobby. Écoutez, je sais que c'est pas ce qui était prévu, mais on peut quand même s'en mettre plein les poches. Aidez-moi à me débarrasser d'elle. Et on pourra tout rafler. Si Hancock qu'on cambriole, là, il a tendance à avoir la rancune tenace. Voilà ce que je propose. Repartez par votre tunnel et on oubliera ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que vous en dites? Quand vous oubliez de partir, c'est... Ah non, 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 moi je dis convaincre de Bobby de partir. Allez, Bobby. Au moins, si on part maintenant, on aura la vie sauve. Je suis pas venu ici pour repartir la queue entre les jambes. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Ah. Vous nous avez menti, Bobby. Et vous allez le regretter. Vous pouvez pas me faire ça. C'était pas censé se passer comme ça. Non, tant mieux en fait. Ça en fait plus pour moi. Nice. Trouver un truc intéressant. Je peux pas dire que je suis ravi de la façon dont ça s'est terminé. Bobby n'a eu que ce qu'elle méritait. Je sais pas. Elle méritait vraiment de mourir? Bon allez, je m'en vais. Ouais, c'est ça. Allez, salut. Bah ça c'est réglé. Vous avez fait... Hey. Vous avez fait le bon choix. Comment... Comment vous nous avez trouvés? Si vous croyez que Hancock n'est pas au courant de tout ce qui se passe sur son territoire, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Ne me dites pas que vous pensiez être discret avec vos tunnels. Je ne sais pas trop. Si vous changez d'avis, j'ai rien contre une petite baston. Tenez. Un petit cadeau pour avoir fait le bon choix. Oh là 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 là. Quoi? Votre loyauté ira droit au cœur de Hancock. Vous devriez aller le saluer vous-même. Croyez-moi, il vaut mieux être dans les petits papiers de Hancock. Terminé opération souterraine. Bah nice. Pardon. Grosse erreur, Bobby. Parler à Hancock, et ben on va aller parler à Hancock hein. Est-ce qu'il y a une sorte de trésor ou... Ouais bah je pense pas hein. Ah du coup on est où dans le Commonwealth là? C'est joint joint bizarre. Je sais même pas où on est. On doit être dans un bled paumé à cette heure.
Oh là 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 là. Enfin, on va aller vite fait parler à Hancock. Voir ce qu'il a à nous dire. Non mais on se débrouille plutôt pas mal là. On se débrouille plutôt pas mal. Je pense que pour l'instant on est niveau... Niveau choix, etc. etc. Je pense qu'on est pas mal. Dépôt de... Ah ouais, ok. Ah mais du coup on l'a fait alors. Ouais, parler à Hancock. Et c'est parti. Bon, bah les 5 premières minutes de cet épisode ont été plutôt plutôt violentes, hein. On a tué Bobby. Bobby. Bon, de toute façon, hein, qu'est-ce qu'elle allait faire après? Non, moi je préfère rester avec Hancock, parce que franchement, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien, il est plutôt sympa, et puis... Et puis voilà. Et puis Bobby, bah elle était... Comment dire... Ouais, je sais pas. Vous avez vu ce truc? Ou c'est moi qui trippe grave? Salut. Salut. Tout va bien? Bah, tranquille. J'ai de la bonne marchandise. Je... Voyons ce que vous avez là. Tous les objets sont garantis, jusqu'à ce qu'ils cassent. Ah, ok. Je sais pas pourquoi on se trimballe d'un truc comme ça, on s'en fout. Ouais, en fait, il se pourrait bien qu'on aille vite fait à Sanctuary. À mon avis, après, on va vite fait à Sanctuary pour déposer 2-3 armes, trucs qui sont assez lourds sur nous. Je pense qu'on va faire ça. Parce qu'honnêtement, là, de toutes les armes, il y en a, on les utilise pas du tout, donc... Ouais, on va faire ça juste après. J'en ai vu des trucs pas nets. Ouais ouais c'est ça putain attendez. Ah ouais c'est ces escaliers de mort là, c'est un truc de fou. Et Hancock. Tiens, si c'est pas le pigeon de Bobby, tenez, c'est pour avoir protégé mon magot. Sage décision d'avoir abattu Bobby comme ça. Elle s'est payée de ma tête. Bobby s'est payé ma tête. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Ouais, c'est généralement comme ça que ça se passe par ici. Je vais vous dire. Il y a des jours où mon tricorne me semble vraiment lourd, et où je me demande si je serais pas en train de me transformer en tyran. Je passe tout mon temps à réprimer les types avec qui j'aurais été fier de comploter il y a à peine quelques années. Faut que je change un peu d'air, et que je me rappelle ce qui compte vraiment. Vivre libre. Vous pouvez vous permettre de quitter Good Neighbor? Vous êtes bien le maire, non? Hey. Le maire reste le maire, qu'il soit sur place ou non. Je suis parti d'ici des tas de fois. Ça m'aide à garder les pieds sur terre. À éviter que le pouvoir me monte à la tête. Parce que diriger Good Neighbor, c'est pas se comporter en tyran. Bon, à une prochaine, Hancock. Ouais, un de ces jours. Faut que je réfléchisse à tout ça. Si vous avez besoin d'une goule sexy pour couvrir vos arrières, revenez me voir. Ouais, ouais. C'est ça. Allez, salut. Est-ce qu'il n'y a pas un lit hein? Si vous voulez faire le plein de matos, vous pouvez aller à Daisy's Discount. Je cherche un lit. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Les fringues ou le mec qui les porte? J'ai toujours cru que Bobby avait plus de jugeote que ça. Faut croire que je l'avais surestimé. Attendez. Oh, on trouvera bien un lit à Sanctuary. Allez, on y va.
Du coup, Sanctuary, ouais. Et c'est parti. Putain, aussi, faut qu'on fasse les deux trucs, là. Sanctuary et l'autre. Mais c'est chiant, ces trucs-là. Je comprends rien à ce qu'il faut faire. On verra ça un jour, hein. On verra ça un jour. Plus tard. Bon, pour l'instant, c'est pas le moment de s'occuper de ça. On a plus important à faire. C'était les deux premières quêtes qu'on a dans le jeu. Bah, ça va être les deux dernières qu'on va faire à l'épisode de 88667. Là, c'est le matin comme ça. Ah non, c'est... On se croit en sécurité qu'on est le plus vulnérable. Et c'est à ce moment-là qu'ils attaquent. Ça fait pas de mal de jeter un œil. Rien de bien intéressant ici. Oui, quoi? Ah, vous voilà. Je commençais à croire que vous m'aviez oublié. J'ai fait erreur. En fait, je reviendrai plus tard. Vous voulez pas m'emmener? Merci beaucoup, partenaire. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais chaque jour qui passe, c'est plus facile que l'après. Le truc avec les pompes à eau, c'est de trouver le bon endroit. Un endroit juste au-dessus des nappes phréatiques. Je veux juste faire un échange. Voilà, alors, parfait. Alors, on va stocker ça. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi, on va pas l'utiliser. Ça aussi. On va garder quand même. On peut tout réparer. Du coup, maintenant inventaire. Ah, parfait. Ordinateur, même les gens. Suffit de... Parfait. Alors, du coup, données. Secret de la brasserie. Et bon, on va faire ça. Vous savez quoi? On a vu. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Et prochain épisode, et ben, on continuera ça. Je pense qu'on va faire comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on a des trucs divers aussi à faire. Mais on va déjà faire secret de la brasserie. Alors. Par contre, elle est où la brasserie? Ça dépend. Hein. Bon, on va aller là. Et voilà. Et voilà, et voilà. On en est à combien? 13-14 minutes, ok. Ok, ok, ok. Et y'a le bali baboué. Balababoué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et voilà. Je sais pas. On va aller voir sa brasserie là, je ne sais quoi. Ça nous fera un peu de capsules. Bah attendez, s'il boit une bière. Qu'on peut récupérer les capsules. Est-ce que ça va compter? Oui, je suis diabolique. Niveau 20 d'ailleurs. J'avais même pas remarqué. Je croyais qu'on était 19. Ah non, on a up dans le dernier épisode, je crois. C'est nice.
Allez, temps de chargement là. Parce que vous savez que ça dure aller 10, 20, 30 secondes, ça va. Ouais, là, quand ça dure une minute. Aujourd'hui, je vous présente des temps de chargement. C'est plutôt pas mal hein, d'ailleurs. Non, franchement, Bethesda devrait faire... Bethesda devrait faire un jeu genre temps de chargement. Il serait pas mal en vrai, hein, je pense. Oh là, oh là. Mal là. Bah nice. Par contre, niveau mune... Un Shamrock, d'accord. Ah ouais, mais non, mais je crois que cette arme elle est horrible. Attendez, 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 s'il vous plaît. Je crois que cette arme est horrible. Par contre, elle a mais one shot quoi. Gaffe. Oh, fais gaffe, attention. Oh, c'était nul, mais c'est trop bien. C'était tellement facile à faire. On va prendre le... Impossible de crocheter ça. Le verrou tient bon. Faudra qu'on tue gaffe. Joli. Parfait. Nice. Oh, reviens. Je m'amusais bien moi. Bah cool hein. Quand tu te pointeras, je te tuerai. Ah ouais? Attends, j'arrive. Aucun signe. J'aime pas ça. Allez, on va bouffer. Ça n'a pas l'air de se crocheter. C'est que dalle. Attendez, mais elle a tué Gaffe là?
enfoiré. Voilà, voilà. On s'éclate. Hein, la journée. Je crois que j'ai quelque chose de cassé. Nice. Quelle horreur ça! Ce truc là. Quelqu'un nous suit. Je prends. Ouais. Nice, putain, c'est bon ça! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Inventaire, armes. On va prendre cette merdouille là. Attendez. C'est parti. On nous suit. Bien essayé. Je récupère le matos. Bien joué, machin. Emballer ces merdes. Bah ouais. C'est trop sécurisé. Il fait pas lampe torche le truc que t'as collé au poignet. Ok. Impossible de déchiffrer le code. Ouais, bah là. C'est vrai que là c'est problématique, hein. Ah ouais, bah du coup là on peut pas le faire. Ok, super, bah c'est de la douille. C'était une grande douille, super. On fera ça plus tard alors. Bon bah allons-y. Quoi j'étais... Allons vite faire Diamond City.
Bon, nickel, on a combien de temps? 25 minutes, ok. Putain, mais c'est de la douille. Oh, faut absolument... Faut qu'on... Faut qu'on monte nos trucs pour le piratage, là, parce que c'est... Sinon, là, on est bloqué pour des trucs. Regardez pour le musée, là. Même pas, on peut même pas aller au musée, quoi. C'est fou. Vous voulez essayer un truc marrant? Non. Faites-moi confiance. Merci. J'ai l'impression de pouvoir enfin réfléchir clairement. Hop là. Nous y sommes partis. L'affaire Marty Bullfinch. Marty était le partenaire de Nick. Et je dis bien était. Il devait être vraiment désespéré pour venir nous demander notre aide après tout ce temps. Est-ce qu'il y a un truc à me donner? Excusez-moi. Si vous voyez Marty, dites-lui ça de ma part. Où sont passées mes 20 capsules, vieille canaille? Et bonjour aussi. Ça doit être vraiment sérieux pour que Marty revienne. Ouais! Écoutez le nom de Marty. Comment on fait déjà? Je sais même pas comment on fait. Ah! Chou! Et là, putain! En fait, j'étais bon, mais voilà. Vieux tas de boulons rouillés, c'est Marty. Je sais que ça fait un bail. Mais j'ai croisé un... Comment c'est la sauterelle dorée? Merde, j'ai pas écouté le truc! Nicky, vieux tas de boulons rouillés, c'est Marty. Je sais que ça fait un bail. Mais j'ai croisé un mystère qui devrait redonner un peu de jus à tes circuits. Tu te souviens de cette affreuse sauterelle dorée sur le toit de Fannery Hall? Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, ça a mis une quête. Rédigée par le fils d'un certain Shem Drown. Je ne sais pas pourquoi on laisse Valentine vivre dans cette ville. J'imagine que ce nom ne te dit rien, mais ce type était chaudronnier. Il y a bien longtemps, à une époque où on fabriquait ce genre de conneries. Bref. Apparemment, cette note conduit directement au magot de ce mec. Je sais pas ce qu'il contient, mais ça m'intéresserait de savoir s'il est toujours là. Je vais aller faire une petite reconnaissance dans le coin. Préviens-moi si ça te dit qu'on reforme notre équipe. Salut, Nat. Vendre des journaux, ça demande du boulot. Super. Enfin bref. Carte. Attendez, vite fait, donner, je regarde si... Ouais, c'est bon. On fera ça plus tard. J'ai un cheveu qui me gêne, voilà. Donc du coup, carte. Ah merde, on n'a pas découvert le lieu. Bah allons là. On fait des petits trucs d'hiver et puis prochain épisode on s'occupera de tous les trucs qu'on a besoin. Là on va pas commencer un gros truc, là c'était un petit épisode, on va dire on complète un peu. Peut-être pas l'épisode le plus important de la série. Mais quand même l'épisode qui marque le début d'une nouvelle quête machin chose. Mais en tout cas faut retenir, il faut absolument que maintenant quand on monte de niveau, faut monter à compétence genre pour pirater un truc ou crocheter des machins. Parce que bon,
Salut. Je suis de retour. Salut. Personnellement, je préfère les arbres. Là, je m'en fous. Ah bah pas moi pour le coup. Moi, je préfère les armes à feu. Bon, les armes laser, voilà quoi. Et oui. Ouais. Fil de coton, je m'en fous. Mais c'est parti. À tout le personnel, pensez à vos frères et sœurs sur le terrain. Vérifiez que tout votre équipement est bien attaché lorsque vous montez sur le pont d'envol. Merci. Oui, je sais, mais... Et si je rate? C'est simple, ne rate pas. On va essayer. Reconstituons notre stock de premier. Avant mon prochain mission. Tout bien le coup? Vous le seriez, oui. Si ce n'était pas le cas. Ah, mais c'est pour le moment, je vais. Attention, je tire. Ah ouais, mais là je comprends plus rien à ma vie là, faut que j'aille où, putain. Pas de problème. Ah, ok. Ouf. Je crois que nous vous devons une fière chandelle pour avoir éliminé les monstres de Fort Strong. Et sinon, vous avez des documents pour moi, à moins que vous ne souhaitiez plutôt aider l'une de nos patrouilles de recherche. J'ai trouvé des documents techniques pour vous. Ce ne sont pas des documents techniques. Je n'ai pas de temps à perdre, soldat. Revenez me voir quand vous aurez décidé d'accomplir sérieusement votre devoir. Connétable Quinlan ? Ah, chevalier. Vous avez des documents techniques ? J'ai le temps d'aider une patrouille. Excellent. Nos scribes sont certes bien formés, mais le combat n'est pas leur spécialité. Rejoignez le scribe à l'extérieur du Pridway. On sait. Vous devrez l'escorter Okay, et le d'accord, protéger nickel. Pendant qu'il recueillera les données. Et surtout, ramenez-le nous sain et sauf. Ok. Poussez-vous là-bas, je crois qu'il y a quelqu'un qui peut donner une quête. Connétable. Cherchez la bagarre, je peux vous aider à... Dites-moi plus sur ce boulot supplémentaire dont vous avez parlé. Difficile de résister à l'appel des capsules, hein? Comme on dit... On ne peut pas gagner une guerre le ventre vide. Nos réserves de nourriture ne se remplissent pas toutes seules. Alors j'ai besoin de jambes pour faire la tournée des fermes de la région. On va réquisitionner une partie de leur récolte, et j'ai besoin que la nourriture soit mise en caisse et prête à être embarquée par l'équipe que j'enverrai. Votre mission consiste à nous garantir la coopération des fermiers, par tous les moyens nécessaires. Ça marche, ça marche. Voilà ce que j'aime entendre. Voilà l'endroit où il faut aller. À vous de convaincre les gens de cette ferme de soutenir la confrérie, ou de vous en emparer par la force. Nourrir les troupes. Ok. Excusez-moi, connétable Tigan ? Si ces fermiers vous causent des ennuis, j'imagine... Troquer. Il me faudrait plus de puissance. Je suis sûr... Ok. Alors. Cher ça. Allez. Parfait. Tour de garde a été long. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, c'est bientôt la fin de l'épisode. Je sais pas, hein. Si ça ne tenait qu'à moi, je prendrais tous les synthétiques, les ghouls sauvages et les mutants. Mais c'est cool, mais c'est super. C'est super. Ouais, alors vite fait, quête, on fera des trucs plus tard ici. Putain, j'ai plein de petits trucs à faire, ça peut être sa mère.
Ah, moi j'adore voir toutes ces quêtes à faire, tout ce contenu là. Ça ça motive, je sais pas. Et puis moins vous voyez de quêtes à fier, moins vous êtes motivé à continuer et plus vous en voyez, moi je crois. Moi c'est ça. Le genre de conseil qui peut vous sauver la vie. Ouais ouais, c'est ça, mais attendez. OK, bon bref, c'est pas grave. Carte. Ici. Ah ouais, il y a toute cette grosse zone là qu'on a, on a pas trop mis les pieds. Il y a tout ici aussi. Et là, il y a aussi toutes ces sortes de marais. Bizarre, il y a une petite île là. Ouais, mais ça, on ira plus tard. Bah, je vous propose que le prochain épisode, pour se chauffer un peu. Pour se chauffer un peu, prochain épisode, bah on commencera ça. Là, je vais faire le déplacement jusque ce machin-là. Nice, tout ça, nice. Et bali papoui, la papoui, la papoui, la papoui. Bili bili bui, bui bui, bui bui. Rob Coffin, d'ailleurs. Enfin. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Bon, je pense bien que c'était peut-être pas le meilleur. Mais bon. On est obligé de le faire. Attendez, on va. Hop. Divers. N'y était pas si. Ouais, s'occuper de ces petits trucs là. On a combien? 37 minutes. Ok. J'aurais bien voulu commencer un gros truc, mais bon, c'est pas un épisode d'une heure là, c'est 40 minutes. J'ai pas envie de faire. De vraiment dépasser. J'entends quelque chose. J'ai rien entendu, moi, je sais pas. Vous avez entendu ou quoi? Test de Big John. On va aller visiter je sais pas quoi là. Oulala. Ok, on se rapproche. Oh putain de sa mère. Je crois que là... C'était où la dernière sauvegarde qu'il y a eu? Parce que je pense que je vais arrêter l'épisode là, hein, du coup. Putain, ça m'énerve ça, sa mère la pute. Ça m'énerve putain. Oh. Mon dieu. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, hein. C'était pas le meilleur, ça c'est sûr, hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, vous savez quoi, on va arrêter l'épisode là, on ira faire ce truc dans un autre épisode, hein. Ça va pas me casser les couilles, putain de bordel de merde. Bonjour. Faut le retrouver. On va devenir riche. Hey. Tu veux quoi? J'ai une question. Vous voulez me demander quelque chose? À quoi tu penses? Tu savais comme je suis contente de pouvoir compter sur quelqu'un dans ce monde à la con. Je voulais savoir comment tu vas. Ce que tu penses de nous deux. On s'en sort pas mal, toi et moi. Et c'est déjà beaucoup quand on voit le monde merdique dans lequel on vit. J'ai fini, c'est bon. No problemo.
Ok, bon, allez. On se retrouve très bientôt pour la suite. Allez. Ouais. Allez, à plus tout le monde.